Bon matin à tous. Un petit colis en provenance, là, je me trompe pas, c'est Rimouski dans ces coins-là. C'est pour des drones. C'est des cartes de drones, je me trompe pas. Puis toutes les cartes ont le port de charge arraché. Le problème, c'est que même les pads aussi sont arrachés. Fait que ça sera pas évident à réparer. Celui-là ici, tout arraché. Tout arraché. Je pense que j'en avais un autre. J'en ai trois. J'en avais peut-être sorti un, il est peut-être sur le bureau. En tout cas, j'ai tout ça à réparer, à essayer de réparer. Mais en fait, ça devrait être réparable. C'est de faire tenir. Je vais faire tenir à l'époxy. J'ai ça ici. Wow! Je vais essayer de nettoyer ça. C'est un petit peu magané. Puis juste installer des ports. Flight controller. Je vais nettoyer ça un petit peu, là. Parce que c'est affreux, là. Ok, c'est une genre de colle de silicone. Hey, il y en a partout. Je peux-tu... La colle. J'ai enlevé le plus gros, là. Il m'a dit que si ça fonctionne, j'ai une branche et une petite lumière qui allume. J'ai pas remarqué s'il y avait une dalle à quelque part, là. Si je prends celle-ci. Alors. Hein? Au moins, ça va être plus propre demain. Ah! Beaucoup plus propre. De ce bord-là. C'est un petit peu crotté ici aussi, hein? Il y a un petit bouton reset là. USB voilà. Une dalle ici. Tu vois, il joue une dalle là. OK. Il y a une dalle là. Excusez-moi, hein? Je vous le montre pas. Si je regarde comme ça. Poignée un pic là. Qui sait voir là. Bon. Je commence ici, j'ai un petit bouton reset ici. Un connecteur là. Il y a un jumper ici, je vais le laisser là. Un connecteur là. Le port USB vient ici. Lui, les 5 sont encore là, donc je vais pouvoir le remettre, il n'y a pas de trouble. Lui, le connecteur a été brisé, mais il est encore là. Ici, il est là. Ici, j'ai 3 d'elles. J'en ai une ici aussi, je pense. Une ici aussi. Puis si je regarde un peu partout, non. C'est un contrôleur. Multi W11. Un méga pirate. Flight controller. On va essayer de nettoyer ce bord-là, ça m'aurait pris un bain ultrasonique. Là. Puis là, c'est des ports micro USB. C'est pas des USB-C. Puis il n'y avait pas les vieux. Fait qu'il va falloir que je trafique un que j'ai ici pour que ça fitte là. En souhaitant que ça marche pour ces affaires-là. Fait que je vais commencer par préparer ça. On va aller. Microscope. Ça ici. Je vois que sur un côté, je vais pouvoir me brancher, me faire tenir là. Les autres sont toutes là, mais ça ici, c'est plus là. Il n'y a plus rien qui est là. Ici, je suis pas sûr. Mais celui-là, il est là. Si je vais y aller avec mon petit fer, j'y vais avec mon petit Nef Mini. Je vais venir y mettre un petit peu de flux. Il y a des dalles ici aussi.
Ça, c'est RTX. RXTX, c'est le signal, autrement dit. Prendre un petit peu de soudure. Là, ça va être parfait. Oh, ici, il est encore là. Là, il n'y a plus rien. Les autres sont encore là. On continue. J'ai mes clients avec un board de foil de cuisinière, mais on oublie ça, il est à mort. Bon. Là, je vais nettoyer ça. J'ai mis ma soudure, mais je le nettoie. Bon, let's go. Tiens. Ça va être clean, clean, clean. Et voilà. Là, le seul endroit que je pourrais mettre de la soudure, là, ben, je pourrais en mettre partout. Je pourrais en mettre partout, puis ça m'aiderait. Il faudrait que je chauffe par en dessous, c'est ça. Je vais chauffer par en dessous. Je vais nettoyer ça comme faut. Tiens. On se trouve quelque chose à cette heure qui va fitter là. C'est des pâtes à plat qui va là. Donc je vais mettre mes grosses lunettes pour pouvoir les différencier. Je ne serai pas long. Ça ressemble pas mal à ça, hein? Ben oui. C'est en plein ça. Et que j'y mets ça. Oui, on va y mettre la soudure avant. Finalement, on va y mettre de la soudure avant, puis on va y chauffer par en dessous. Fait que, on rajoute du flux. Puis il va tenir assez solide. Il y a juste une patte qui tient pas. Puis je peux peut-être faire de quoi. Et voilà. À partir de là, là, je vais aller me mettre au-dessus du bureau pour pouvoir chauffer. Comme ça. Je vais bien chauffer ça. Je vais mettre ça à 380. Puis on va chauffer ça. Par en dessous seulement. C'est assez comme ça. Ça devrait avoir pris bien comme il faut. On va le laisser refroidir. Il n'a pas soudé pantoute. Allons-y un deuxième coup. Là, ça a soudé. Là, ça a soudé en place. On va ramener ça plus proche. On va baisser la lumière là, parce que. Bon. Ça a super bien soudé. Il a l'air d'être bien positionné. Pour m'en assurer, là, je vais venir prendre mon petit fer, peser dessus, puis venir souder ça ici. Tiens. Ça, c'est solide. Il est petit à cette heure. Tiens. Ça, c'est solide. On nettoie ça. Et voilà.
On essaye ça? Là, ça c'est micro USB. Et voilà! Tout allume. Les lumières là, tout. Fait qu'en voulant un de réparer, il y en a un qui va être bien content de ça. Fait que ça, c'est réparé. À la fin de tout, là, je vais venir mettre un petit peu d'époxy. Chaque côté, pour le tenir un petit peu en place. Mais faut pas faire en mettre trop, parce que si jamais il arrive de quoi, pour faut le remplacer, là, on va avoir un petit problème. Fait que si je le branche, tout allume. Et voilà, ça clignote. Lui, il est fonctionnel. Et misère. Lui, il a besoin d'être... Ouf! Regardez-moi ça. Ouh! On va essayer. Fait que ça, je vais pouvoir souder ça là. Et voilà. Oups. Je qu'il était pas assez solide. Bon. Ça, c'est pris là. Et voilà. Notre fil est installé. Tiens. Là, on va y mettre de l'époxy. Lui, il aura pas le choix d'avoir de la colle d'époxy pour le tenir en place parce que... Hé. Comme ça. Maintenant, ma petite lampe UV. Je vais laisser là pendant un bout. Ça sent bien, là, mon nouveau bureau. Ça va être beaucoup mieux que ça. Moins free-for-all. Autrement dit, moins le fouillis. Bon, ça a l'air assez durci. Hein? Regardez que ça a l'air. Fait que là, je vais pouvoir préparer mes pads pour accepter un nouveau port. Le port ne pourra pas être soudé ici parce qu'il n'y a plus rien. Il n'existe plus rien ici. C'est plate, mais c'est comme ça. Mais au moins... On va préparer les pads pareil. C'est ici. D'autre bord, il y avait un fil, par exemple, qui m'agaçait. J'espère que... Là, ce coup-là, je vais peut-être le souder à la main, là. Le port, ça va être plus facile d'après moi. Je vais me mettre de ce devoir là parce que je suis droitier. Mettre comme ça. On va aller chercher le même port que tantôt. Et on va venir souder ça là. Comme ça. Parce que là, il est comme un penchant. Hein? Il faut que je me mette comme ça pour pouvoir le voir ou mettre ma caméra ici. Ça, c'est le 5 volts. Fait que faut qu'il soit branché. Thank you.
Ben, j'ai mon voyage. C'est réparé. Un autre de réparé. je vais éteindre ça pour qu'on puisse voir comme il faut. Là, si je branche ça. Et voilà. Ça clignote. On va essayer pareil de solidifier ça parce que je trouve que c'est pas assez solide. Tiens. Fonctionne. Là, faut qu'il soit doux avec ça pareil, parce que ça tient juste par les soudures de ça, là. Lui, il va falloir que j'y mette absolument de la colle d'époxy. Pour que le tenir en place, j'aurai pas le choix. Puis, après ça, il va pouvoir s'en servir. Mais, doux avec celle-là.